voilà un petit lapin bien sympa, rempli de pain chocolat. Tu veux savoir comment j'ai fait? À tout de suite. Il te faut peu de matériel. Une bouteille en plastique, de la peinture blanche, un peu de rouge. On mélange les deux. Ben, pour les mamans, je vous ai dit qu'il ne fallait pas grand-chose. Donc, les couleurs primaires, c'est bon, on les mélange et ça fait l'affaire. Un petit peu de noir pour le bout du nez et les moustaches. On commence? Allons-y! La première chose qu'on va faire, c'est découper la bouteille. On va la découper quand même la plus grande parce qu'on va devoir laisser l'excédent pour les oreilles. On peut faire ça avec des ciseaux, avec un scalpel ou un cutter. C'est vrai qu'avec le scalpel, ça va bien. Mais attention, juste réservé aux grands. Voilà, c'est découpé. J'ai fait un effort pour ne pas me couper les doigts. Alors, vous voyez, j'ai fait la place des oreilles. Mais évidemment, à l'arrière, on ne va pas laisser comme ça. Alors, on va redécouper derrière. Voilà, l'arrière du lapin est découpé. Là, on le voit bien. Hein. J'ai bien que ce n'est pas évident. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, demandez à vos enfants ou toi peut-être de le peindre en blanc. On est parti! Et bien voilà, quand il est peint en blanc, tu peux lui faire ses petites oreilles, tu mélanges du blanc, du rouge, ça fait du rose, le petit nez, les yeux, les moustaches, et le voilà tout prêt à accueillir tes œufs. Mais aussi autre chose, tiens, je vais te montrer. Voilà, tu peux aussi mettre une plante. Jolie, non? À bientôt pour un autre bricolage.